Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 19, les gars, nouvelle vidéo sur la série Les Éleveurs Français. Aujourd'hui les amis, on va tout simplement faire de l'épandage de fumier. On n'a pas beaucoup de fumier, on va essayer d'en épandre un petit peu. On va essayer de s'occuper aussi également des animaux. Voilà, tout ça dans cette vidéo là, j'espère que en tout cas elle vous plaira, n'hésitez pas à lâcher un max de like les gars, ça fera plaisir. On se retrouve tout de suite, juste après l'intro. Et donc les gars, on se retrouve sur la série Les Éleveurs Français en compagnie de Zero. Salut à toi Zero. Salut à toi, salut à tous. Et de Cédric. Salut, salut les amis. Et donc du coup les gars, on va tout simplement aujourd'hui épandre un peu de fumier de mon côté. Il y a pas mal d'activités aussi à faire au niveau de la moisson, c'est ça Zero aussi? Ouais c'est ça, on a fait pousser simplement, on a fait avancer le temps. Il y a le colza qui est prêt à être récolté, on va aller voir vite fait. Juste le colza qui est prêt derrière à être récolté, donc du coup Zero va s'en charger. Céd aussi, ouais. Du coup t'as... Je règle mon micro. Voilà, il règle son micro. Nous on va commencer de charger l'épandeur. Regardez qui est prêt là-bas. Bon, il n'y a pas beaucoup de fumier. On va commencer à faire ça. Qu'est-ce qu'on fait du coup alors les amis? Moi je pense. Après, on peut commencer. Il y a aussi de la fauche. Attendez. Ah, il y a la fauche derrière. Il y a toutes les bottes à ramasser. Donc là, il y a des bottes de foin et des bottes d'herbe. Les bottes d'herbe, tu veux quoi, les emmener ou... Le problème, c'est que moi j'ai pas le truc pour autoloader. Donc je veux bien les moissonner à la rigueur si vous voulez. Ouais, mais du coup attendez parce que j'ai pas trop compris, vous avez fait une catégorie bottes de foin dans un autre champ et bottes d'herbe, comment oui. Vous voulez enrubaner? Non, il y a une partie qu'on va enrubaner. Ah, on l'a pas enrubané la partie... La partie d'herbe? Et non, on l'a pas enrubané, la rubanée. Ah bah il y a ça enrubané aussi, oui. Et oui, parce qu'elle était prise à l'enrubanage. Oui, c'est vrai. Si vous voyez ma perche, c'est parce que je l'ai cassée et que on tourne juste après, voilà. Et que j'ai pas eu, en plus je la recevrai... Voilà, très vite. Et voilà. Bah, c'est les aléas du métier. Voilà. Ça arrive. Donc vous voyez mon micro, je vois quasiment que dalle à l'écran en plus. Impeccable, tout va bien. Tout va bien quoi. Tout va très bien. Tout va très bien. Mais comme quoi, il y a rien qui nous arrête. Rien du tout, rien du tout. Ça c'est clair. Tout. C'est vous qu'il faut ramasser. Donc du coup, les amis, c'est quel champ? Alors là, tu fais quoi? Pour la moisson. Je vais faire la moisson, mais je vais vers la cuve en haut, c'est derrière là. Le champ qu'on a semé là. Le champ qu'on a semé en colza qui est juste derrière. D'accord, très bien. Et moi je vais aller pendre du fumier dans le champ 122, je crois. Je sais que Zero a récolté, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, bon, il y aura pas beaucoup de fumier, mais bon. Vas-y, c'est tapé. Allez, ça va John Deere. Ouais, t'as vu? Je vais m'arrêter par là. En plus, après, il y a un karcher, les gars. J'ai mis un karcher. Hein. Si vous voulez laver, vous pouvez. Ouais. Ah oui, donc, on a mis un lapin. Hein. C'est ça, mon ami Jérémy? Et on a mis le lapin. Bon, ça a dû rapporter. Du coup, on avait un petit doute si ça rapportait de l'argent ou pas. Et si, ça a dû fonctionner quand même. Alors, ça rapporte 4000 euros. 4000 euros, c'est ça, ouais. J'ai 4000 euros. 80... Ouais. C'est 400 euros par heure, je crois. 4000 euros, ouais. Ouais, donc on en a mis quand même parce que sinon vous disiez que c'était trop cheaté. Après, c'était trop cheaté, ouais. Avec Bastien, on a dit qu'on en mettait qu'un. Allez. On a le droit à un clapier, on va dire. Lapine, quand même, il va s'ennuyer le pauvre. Ah, bah ça après. Oh, mais ils sont bien les petits lapins là. Ouais, ils sont bien, c'est bien. Ouais. Je vais les ramasser le foin, Jérémy, c'est d'accord, je sais pas si je dois le faire. Vas-y, t'inquiète. D'accord, allez, c'est parti. Et après, on pourra peut-être aller chercher l'enrubaneuse, peut-être qu'on verra pour aller chercher l'enrubaneuse. Bon, c'est plus ou moins les mêmes activités qu'on fait, mais bon. C'est ce qui nous rapporte de l'argent, donc du coup, on va le faire. Là, on va déjà aller épandre le peu de fumier qu'on a. Dans le champ sur 22, bon, on sera loin de faire tout le champ, ça c'est clair, mais... Exactement, c'est le but d'une série no cheat en même temps, hein. Oui, aussi, oui. Voilà, ouais, on peut pas non plus... Et il n'y a pas le mode saison, qui veut dire qu'on peut... Non, heureusement qu'il n'y a pas le mode saison. Heureusement, ouais, parce que sinon... notre lapin, il serait foutu depuis longtemps. Ah oui, oh putain, oui. Ça c'est clair. Du coup, ça va être fait. Oh, bon, les vaches vont bien, apparemment. Voilà. Impeccable, s'envoyer, c'est là. Allez. On va faire un petit peu de vue intérieure, les amis. Allez, voilà. J'essaie de voir à travers la perche, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Et du coup, on est parti au champ. Donc, on a 10 000 litres de fumier. Donc, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Ça sera vite parti. Mais bon. Ça va être le champ. Lisier, je sais pas du tout, je pense. Je crois pas. Hein. Si, remarque, on doit avoir du lisier aussi. Ah, c'est celui-là le champ. C'est celui-ci. On n'a pas de ton lisier, mais on doit avoir du lisier. Lisier. Combien on est en lisier? Je vais vous le dire, les gars, je vais vous le dire. On est à 13 000 litres. Mais après, est-ce qu'on n'avait pas dit qu'on achetait litres, une tonne à lisier ensemble avec Bastien, avec Servio? On verra ça en live. On verra ça en live, on verra ça avec lui si. Voilà.
ça marche. Et après, bon, c'est vrai que c'est du matos, on va pas s'en servir tout le temps, donc après... Bah ouais, c'est vrai, c'est un peu dommage. De là... On changera, on a prévu, voilà, on a prévu, comme on disait l'autre jour en live, mercredi dernier en live, de changer la charrue. Mm. Voilà, et de mettre directement le décompacteur là. Oui, fait, c'est, ce là, sera beaucoup mieux. En 6 mètres, ce sera voilà. Beaucoup mieux pour tout le monde. Et puis, parce que celui-là, c'est une tendance. On gagnera du temps et tout, ce sera beaucoup mieux. Parce que l'autre, c'est vrai, ça, on roule pas avec. Ah, c'est une tendance, tu roules à 10 km/h. C'est tanné, ouais, ce truc, c'est vrai que c'est. Putain. C'est trop la galère. Quoi. C'est trop la galère. Tu as trouvé une activité, Ziro, c'est bon ouais, ouais, moi je ramasse le foin là. Ouais, tu ramasses le foin, okay, nickel. Ouais, voilà. Et pour faire quoi du foin, on le vend? Faut regarder un peu. On regarde un peu quand on même. On regarde un peu. D'accord, ok. Okay. Après, et le reste, on vend. Il y a 4 hommes, mais je crois qu'il y a une botte d'herbe aussi dans le champ. Donc il y a 4, oui. Il y a 13 bottes de foin et puis une botte d'herbe. Ah oui, bon. 13 bottes, ouais. Ouais, ouais. Donc, il faut aller récupérer l'enrubanase et puis. Ah non, pardon, il y en a 16, pardon. J'ai après, il y aura l'enrubanase, on va aller récupérer, donc on verra. Voilà, ouais. Après, si j'ai le temps, je peux y aller. Parce que moi, ça sera vite tombé là, le fumier qui ouais, est. Ouais, ça vite, c'est sûr que. Ça sera vite torché. On va pas faire, on va faire une bande, je pense, dans le champ, même pas plus. Du coup, on va l'épandre à l'autre bout là-bas, parce que le champ, regardez la taille du champ en plus, il est immense. On ouvre les pans, donc ça, c'est un épandeur de Simulagri, voilà, qui est dispo sur mon site si vous le voulez. Ouais, le Dangreville. Le Dangreville, très beau mode aussi. En plus, il a, je crois qu'il a rajouté une mise à jour, et il me semble qu'il y a deux gyrophares maintenant. Avant, il n'y avait qu'un. C'est possible, ouais. Et il me semble qu'il a rajouté un gyrophare. Il a réglé le problème de salissure aussi. Oui, il a réglé le problème de la salissure, ouais. Ça. Le problème de la salissure. Donc les épisodes sortiront samedi, les amis. Enfin voilà, on... c'est ça, c'est ouais. Ça, hein ouais. C'est ça, samedi pour moi aussi. Samedi aussi, ouais. Allez, on est parti. Hop. Niveau largeur, on n'est pas si mal. Voilà. Niveau rendement ici, on n'est pas top parce qu'on l'a fertilisé qu'une fois dans le coin à droite là. Et oui. Ah dans le coin à droite, bah oui du coup. Eh ouais ouais, il y a plein de mauvaises herbes en plus là. Hop 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 hop. Voilà, Dios. On va pas être riche encore là, je vous le dis. Non, on va pas être riche. Là. Encore 95 000 euros, ça va, franchement, ça va, on est bien. Ouais, ouais, on est remonté un petit peu. Ouais, on est remonté, bah après, il y a encore de, du coup d'enrubané qu'on va vendre. Oui. Mais du coup, on est pas mal. Pas si mal. Ouh, putain, j'ai fait le con. On pourra refaucher en plus, je pense, donc. Ouais, ouais, donc c'est cool ça. Et à la rigueur, même tant qu'à faire, refaire de l'enrubanage, comme ça, c'est ce qui rapporte le plus hein, pour c'est le c'est moment. Ce qui rapporte, ouais, carrément. Donc, Et le lait, il faut le. Et... Ah oui, il faudra. Ah, il y a le lait, à... oui, il y a ça aussi, il y a le lait. Il y a le lait à vendre, ouais. Il y a le lait. Ah bah après je peux m'occuper du lait au pire si vous voulez. Ouais, ouais, si tu veux. Après, contre, je vous laisse faire gérer sont... l'enrubanage, tout ça. Moi, je vais m'occuper du lait et voir mais... où est-ce que ça se vend. Du coup, l'herbe qui est dans le champ, faut l'enrubaner, les gars. Oui, mais rappelle-toi, mon poteau. Ah si, il te faut vider la tonne en haut. Ah oui, bah je vais la réinitialiser, du coup. Pour ouais. Elle est là. Je me suis pris là. Non, mais il n'y a rien qui est en collision. Il y a juste un arbre. Il est en collision. Non, mais c'est pas possible. On peut passer à travers tous les amis. Des fois, c'est pratique. Mais... Et là, oui. Et là, il y a juste un arbre qui m'embête. Et ben non. Il est en collision, le truc. Bon, moi, j'aurais fait quand même un aller-retour plus un aller dans le champ. C'est pas mal. Toi, va. On a fait peut-être un tiers du champ. Quoi. Ouais. C'est pas si mal que ça. Et encore si ça va. Regardez comme elle est sale, notre machine, les amis. Ouais, elle est pas très. Ouais, ça veut dire ce coup, elle a pris une couleur. Okay, ouais, mais. Je passe un petit peu à travers. Mine de rien. On s'en sert. Ah, bah oui, bah on s'en sert, ouais, carrément. Hop, on aurait pu prendre une coupe un petit peu plus large, c'est vrai, mais bon, on n'avait pas les moyens. Oui, non, mais c'est très bien comme ça. Ouais. On verra, on achètera une plus grosse machine quand on aura plus d'argent, on verra. Voilà, exactement, ouais. On verra ça. Allez, bah du coup, bah, un aller-retour plus un aller plus quasiment un retour. Donc, quasiment deux allers-retours, c'est pas mal. Regardez les gars, quand même. Ouais, si, quand même. Franchement, c'est bien. Nickel. Donc, on ramène ça et on va s'occuper du lait. On va s'occuper du lait. Il va nous le mettre dans la casserole, le faire bouillir et on va pouvoir le boire. Exactement. Chocolaté. Chocolaté. Chaud, chaud, chocolat. Allez, on rentre. Et pousse la banane et moi le café. Non. On voit les références musicales. Ouais, t'as vu un peu. Carrément. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus aux deux vidéos, ça fera plaisir. Ouais, voilà. Et à commenter, bien sûr, on répond à tout le monde, il n'y a pas de souci. Et merci pour tous ces bons moments qu'on passe voilà, avec tout le monde, c'est excellent. Quoi. Ça, c'est sûr. Par contre, on lavait le tracteur, ce qui est dégueulasse. Maintenant qu'on a un karcher, on va l'utiliser quand même. Parce que...
Je sais pas c'est quoi ce mode. C'est vachement français ça, t'as vu? Je sais pas ce que c'est ce mode. Quand la machine elle est à 50%, elle fait un petit ting. Un petit bip, ouais. Ouais, bah, ouais, c'est bien, ça prévient, j'aime bien. Ça prévient, ouais, c'est génial ça. Quand vous avez pas la TH, c'est très très pratique. Ah, c'est, ouais, c'est réaliste. Ouais. Après, sur les vieilles machines, ouais. Vous n'avez pas ça, mais sur les nouvelles machines en général, ça bip aussi, pareil. Oh, ouais, oui. C'est pas un mode, c'est, je pense c'est un truc qui est mis sur le mode directement. C'est un mode. C'est un mode que. Ah ouais, ouais, c'est donc, mode. Dans toutes les moins bases, tout ça, c'est comme ça. Du jeu, bah du quel mode? Ah, du jeu, ouais, dans toutes les moins bases du jeu, ouais. C'est pas ce propre à la machine, c'est. Non. D'accord, ok. Il y a le chariot qui est là, et qui c'est qui a mis le chariot ici? Bon Dieu. Bah, c'est moi. Ah, voilà, je peux pas prendre mon Kercher, si c'est bon. J'avoue, hop. C'est moi. On va passer un petit coup sur le d'Angreville et sur le tracteur aussi, vite fait. Après, comme tu disais, mon poteau, il y a des machines où tu vois super bien en vue intérieure et des machines où il y a des écrans qui gênent et tout. Ouais, qui gênent et tout. Ouais. Bah, quand tu prends la grosse section, la 8900, là, tu. Ouais. Tu vois rien, quoi. Ouais, c'est clair, c'est un petit peu dommage, ouais. Voilà. Je te rappelle quand on faisait les moissons, quand on regarde en permanence, t'es fixé sur la coupe et droite, gauche, avec la tête à la fin de la journée, t'as mal au cervical tellement. Ah bah oui. Tu balayes du regard tout ce qui se passe devant. Là, y a pas on doit regarder combien de bottes de foin, les amis? Oh. Bah attends, je vais te dire combien il y en a, on va regarder ça vite fait. Je vais dire combien il y en a déjà à la ferme là. Une dizaine et encore. On regarde quand même parce qu'on en passe quand même deux par ration, donc puis bon, les bottes de foin c'est pas ce qui rapporte le plus, hein, donc autant les garder. Autant les garder, ouais. Non, qu'est-ce que t'en penses, Zero? Ouais, je pense aussi, bah ça faut en garder pas mal, comme tu dis, deux par ration ça part vite, hein. Ouais, surtout qu'on a la remanage à refaire. Ouais. Par contre, aussi, du coup, elle est où la tonne à eau, la cuve à eau, elle est où? Elle est derrière, là où on a placé le truc pour vendre les bottes, justement. Ah, elle est derrière, ok, oui. Du coup, je vais mettre de l'eau parce qu'il faut, il faut de l'eau pour les vaches. Je vais leur mettre de l'eau, ce qui reste. Regardez, ça va peut-être passer. Le chef est là avec le chef. Est là, le chef est ici, attention. Hein. Il pourrait m'amener une benne d'ailleurs, le chef, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Hein. Ah, ben je peux lui emmener une benne. Par contre, je vais te mettre une benne sur le F. Mais ce que tu veux, mais. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, si, il y a le F-130, attends. Oh, y a le, ah non, mais le... il est où? C'est toi, Zéro? Ah, c'est moi qui l'ai, je suis en train de charger les bottes. Ah, mais vas-y, si tu veux. Ah, non, mais vas-y, bah fais. Je vais le faire à la main, moi. C'est un peu plus facile à la main. Non, mais vas-y, vas-y. Prends le tracteur si tu veux. Faut juste emmener une benne à Ced. Juste lui poser une benne, au pire, si t'as. Bah, vas-y, ouais, je le ferai. Si t'es sous le son, fais-le vraiment. Ou alors je le fais. Attends, non, expliquez-moi un truc, les amis. Il y a trois tracteurs et je suis dans la machine. Non, mais il sert des deux, mais c'est pas grave. Non, mais attends, bouge pas, Zéro, je vais le faire avec le JD là. D'accord, c'est un peu l'autoload, Zéro? Si, mais je suis en train d'échanger les bottes, je vais les décharger bien propre dans le truc, vu qu'il y a déjà des bottes de paille tout ça dedans. Ça va les remettre avec dans le plateau, donc attends, je vais le faire avec le JD, je vais lui mettre une benne, je vais mettre la benne de Guillaume, de Bruno là, de Simulagri. Ouais, s'il vous plaît, les amis, parce que je suis. On va lui mettre la petite benne, hop, qui va bien. Elle va bientôt sonner une deuxième fois. T'as combien là? 70 plus. Ah, oh, bon, c'est bon, ça passe. Je t'emmène la benne. Ah non, mais il y a du blé dedans, mais vous y croyez vous? Dans celle-là, là, mais c'est quoi ce merdier? 80%, ouais. Bon, bah, on va pas lui mettre cette benne là, les gars. Et elle girote. Il a du rendement, le petit, hein. Elle clignote, hein. Bah, il était fertilisé à combien? 50%, lui, non? Alors, là où je suis, quasiment pas. Mais juste à côté, ouais, 50%. Ouais. Ah, il me semble. La benne. Bon, désolé, les gars, on passe à travers les clôtures, mais bon. Voilà. Ah, bravo. La benne. Ouais, désolé. Désolé. Hop, du coup je te laisse la benne par ici, c'est bon? Ouais. Tout te dépend. Jérémy, parce que ouais, je charge depuis tout à l'heure, mais les bottes du coup, ouais, tu viens voir, on garde tout ou pas? On garde tout, ouais, je pense, parce que du coup, ça va pas nous rapporter beaucoup d'argent, ça. Bah, non, là, on est fertilisé à 100% à partir de là, et là, on était fertilisé à. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinitialiser du coup. Ah bah non, j'avais dit que je voulais donner de l'eau aux vaches, déjà pour commencer. Normalement, peut-être qu'il nous reste combien? 2000, je crois, 2000 litres d'eau là-dedans. Il était avalé par la machine. Ouais, 2000 litres, donc logiquement. Est-ce que je peux donner de l'eau par ici? Ouais. Est-ce que ça a fonctionné? Non, ça ne fonctionnera pas. C'est à boire qu'il leur faut. Donc on est obligé d'ouvrir. Putain, elle va repousser déjà là. Hop. J'ai la petite marche arrière qui va bien. J'ai dit qui va bien sans se prendre le muret ou le portail. Tac, tac, tac. Donc avec la récolte du colza là, on devrait avoir de l'argent. Hein. Bah logiquement, ouais. Alors, est-ce que ça a vidé la cuve quand même ou pas? Ça oh non, c'est pas possible.
Il en reste 1145, quoi, mais c'est pas possible. Donc du coup, bah, on va réinitialiser. Vous avez regardé à combien de minutes de vidéo on était? 14h41. Ah bon, on est bon, alors ça me laisse le temps de... Ok. Voilà, donc on va réinitialiser la cuve en espérant minutes, les amis, que... Voilà, donc on peut pas faire 50 millions d'activités aussi. Et on va réinitialiser également le JD, comme voilà, ça, ce sera tout à la ferme. C'est un petit peu, voilà, 16, donc... pour voir ce que fait Jérémy, vous allez voir sur sa chaîne. Et voilà, pour voir et puis vice versa. Voilà. Par contre, Zero voilà. Lui tourne pas. Mais... Non, moi je tourne pas. Ouais, tu fais pas de vidéos Non, sur cette série, pour le moment, mais je pense pas du tout en faire cette série-là en fait. D'accord. Pour le moment, non, je sais pas. Ah, on est à zéro, donc mais c'est bon. On a plaisir à l'avoir avec nous, voilà, on est l'équipe au complet. Bah ouais, c'est cool, franchement, un petit jeudi soir plaisir, comme ça. Voilà, ouais, un petit cool, jeudi soir, ouais. Il faut savoir qu'il est 22h, les amis, quand on tourne, donc vous voyez, voilà. Parce qu'on vous dit tout. C'est dur d'être youtubeur de nos jours. Il bon, y a plus difficile. Il y a pire quand même. Ouais, bon. Y a pire, mais non. Voilà, bon, du coup, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Pozig, Efren, saloperie. Du coup, faut enrubaner aussi. J'y fais, tu peux aller chercher la machine ou tu veux que je te l'emmène comme ça, c'est plus facile pour toi? Bah, si tu veux la chercher, tu peux, ouais. Okay, comme moi, ça, je vais essayer de voir pour le lait là, voir ce que ça dit. Est-ce qu'on peut vendre le lait au moins, les gars? Ouais, on a regardé. Il y a un peu... Par contre, le vendre où, ça, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ça dit, c'est dans Groland, ça. Oui, il fallait, c'est dans Groland. Ouais. Ah, il y a un tracteur au milieu. Oh, putain, je suis arrivé pile de billes, j'ai même pas regardé devant moi, tu vois. Après, depuis quand j'ai le plateau, je l'avais détruit. Attends, bouge pas. Je vais... Allez, voilà, regardez les amis, on charge. On alors, normalement, le lait, c'est par ici, hein, si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est ah, ici. Ah, ouais, tu sais où le vendre le lait ou pas, Jérémy? C'est d'une coopérative normale? Attends, on va regarder ça. Non, c'est pas ça, c'est ça. Le lait. On peut le vendre à Coop Biocer. Ouais. D'accord. 1310 euros. Ouais, le temps est en x5, c'est normal, énorme. Hein. Ouais, c'est normal, ouais, je pense. C'est pas énorme, 1310 euros. Mais je sais pas s'il est pris. Ou alors. Ouais, si ils peuvent monter, hein, vraiment. Voilà, on le fait pas peut-être. On attend alors peut-être. On fera peut-être ça en live mercredi, les gars. Comme tu veux. Ou alors pour ta prochaine vidéo, si le prix. La prochaine vidéo, si les prix ne sont pas satisfaisants encore, on attendra. On a combien? On va faire ça, les gars, plus tard. Je vois, ouais. C'est vrai, bonne question. On a combien de litres de lait, Jérémy? On a 6000, quasiment 7000. D'accord, ok. Ouais, ça te fait quand même ça, pratiquement 10 000 euros. Ouais, pratiquement, ouais. On peut laisser ça là, 105, ouais, comme tu veux. On peut le faire la prochaine fois, on n'est pas non plus à l'agonie. Ouais, hein. Du coup, tu vas chercher la rubaneuse, Zero, c'est bon? Ouais, tu veux le faire non, ou je descends? Vas-y. Après, tu peux la réinitialiser, sinon, si tu veux que ça fasse moins loin aussi. Ou après, je sais pas, ouais. C'est où leur ferme, c'est où? Ouais, j'arrive, quoi, donc j'y arrive, donc en bas. Ah oui, non, mais c'est pas si loin que ça, non, ça va. Ouais, quand t'es à la concession, t'es à l'heure ferme. Ouais, t'es à l'heure ferme. Ok, ouais, bah nous, du coup, les vaches, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour les vaches? Ouais, nettoyer vite fait avec le Fiat. Le JD, bah, on va le laisser par là. On le met à l'abri ici. Voilà. Allez. On va le reculer ici, il sera pas mal. Et pas, du coup, le petit Fiat. Voilà. En tout cas, ce concept là, du fait qu'on fasse des lives et des vidéos, ça vous plaît énormément, les amis. Donc, merci. Voilà. C'est vrai. C'est bien, oula, sympa. Ouais, c'est bien sympa en plus. Non, c'est bien sympa. C'est notre rendez-vous quotidien en fait, c'est un truc de fou. Ah mais ouais, les gens y attendent. Hein. C'est clair. C'est notre petit rendez-vous à nous aussi, hein. Faut pas rêver, hein, les gars. On a plaisir à discuter, à tourner, à rigoler, à faire les cons. C'est sûr. Les gars. Je suis perdu, leur rubaneuse, elle est où là? Elle est pas chez nous? Non, elle est pas chez nous, je crois pas. Hein. Elle est attends, pas chez nous. J'espère qu'elle est pas chez nous. Ah non, elle est chez nous, Zero. Putain. Ouais, Dylan, il l'avait ramené, ouais. Il l'avait ramené, ouais. Dylan, ouais. Bon bah, j'arrive. Ouais. Oh, désolé, j'ai même pas vu moi, tu vois. Pas tout. Non, mais j'ai même pas vu non plus en fait. Donc, vous voyez, les amis, le problème c'est qu'il y a vachement de mauvaises herbes dans le champ. Voilà, malheureusement, on n'a pas pu traiter. Ah, ça, j'ai juste pulvérisé un deuxième coup, quoi, mais sinon, j'ai pas mis un coup d'herbicide. Et j'avais mis de l'herbicide une fois, moi, mais bon. Voilà, un petit coup de balayeuse. Avec le godet là, impeccable. Nickel. On va y laisser comme ça. On va y laisser comme ça, et puis voilà, là on est pas trop mal, le fumier c'est fait. Bon, il y aura le lisier, mais on va attendre de... Oh putain, je suis coincé. Ouais, de voir si on peut acheter une... On va attendre le live avec Bastien, voir si on achète une cuve à dépendeur à lisier ensemble ou pas. Qu'est-ce qu'il y a comme voilà. Attendre à lisier sur le serveur, parce que... Bah, je pense qu'il faudra qu'on en rajoute, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mods.
Pas sûr non plus, ouais. Ah mais ah ouais mais non mais notre cuve elle fait pas épandeuse, enfin on peut pas la... Tu peux Non. la transformer si. Genre on peut la personnaliser, non c'est pas ça. Tu peux la Anniversaire. transformer Ah en... cerise sprayer, ouais. Ouais. Ah mais au pire Mais on peut limite bon... faire ça quoi, ça coûte que 500 euros et on peut utiliser notre tonneau, bon c'est pas très réaliste. Mais on peut Ouais. utiliser notre tonneau qui enfin du coup c'est un Ah truc ouais, ça multifonction marche quoi. du coup? Ouais ça marche Oui. ouais. Après, je Tu peux pense la que ça transformer. économise de payer une machine qui vaut 80 000 euros. On fera peut-être C'est ça en live ça. les gars. Du coup, cette machine-là, on pourra Waouh. mettre un slurry sprayer, donc un épandeur à lisier. Un Voilà. épandeur à merde, voilà. Du coup, on pourra faire ça. Et En plus, après, comme on ça, y on met aura du trois. lait dedans. Hein? Et après, on y met du lait dedans. Et après, on y Ça mettra le lait, voilà, ressemble. le lait que vous Voilà. retrouvez dans vos bols le Et matin avec les chocapics, ensuite, on nettoie tout ça avec de l'eau. Voilà, tu vois. Voilà, exactement. Du coup, bah là, on est pas mal. Moi, qu'est-ce que je. Du Ah coup, ouais, bah, vas-y. Ziro revient, il va aller enrubanner. Je... Tu veux le faire, Au pire, Jérémy? ouais, Moi, je je vais le faire t'attelle, vite fait fais-le. pour Hein. finir la vidéo, Je si ça te gêne t'attelle juste pas. vite fait, et puis ouais, non, bah, Ni... tranquille. Niveau hygiène, on est à 200% Ah, là. niveau hygiène, on est pas mal. Vas-y, Jérémy. Ah non, on est pas mal. Vas-y, Jérémy, j'ai. Impeccable, Alors, merci. je lâche est-ce que ça. vous avez pas vu sur le bon coin? Qu'est-ce que c'est Les le bon mecs, coin? ils... Oh merde. ouais, sur le... il y a un mec, il échange, tu sais, les gels hydroalcooliques. Hein. Oh, mais il faudra, il nous emmerde avec ça. Oh. Contre une Porsche Cayenne. Oh là C'est là, quoi non mais. ça? C'est pour le coronavirus, non? Ouais, Voilà, non mais, exactement. les Ah gens ouais, ils non, sont. les mecs, depuis quelques jours, là, c'est affreux, quoi. Les gens ils sont tarés quoi avec ça. Mais Non, ouais. c'est Et tu vois que dans les magasins, il n'y a plus de riz, il n'y a plus de nouilles, et puis nous, on se Mais balade, voilà, carrément. comme si c'était Et alors, normal, quoi. ce Moi, qu'il faut ça me met savoir c'est rien, que le quoi. riz ça vient de Chine et les nouilles ça vient d'Italie. C'est là où il y a le plus de Ouais, c'est coronavirus quoi, t'as compris quoi. vrai. Ouais, carrément, ouais, en plus. Non mais c'est Est-ce tellement que long. Ah vous mais ouais, pensez les que les gens ils véganes sont nus vont quoi. remanger de la viande à un moment donné là? Parce que non. Eh, on va peut-être s'y mettre, ils vont peut-être s'y mettre à force, hein. Ils vont peut-être s'y mettre, hein, du coup. Oh là. On plaisante, hein, on aime bien les véganes, hein, on leur passe le Ah oui, bonjour, on bah. leur fait des bisous. On n'a rien contre vous. Ah non, mais j'ai un. Oui, chacun fait ce qu'il veut, tant qu'il m'emmerde pas Chacun fait après. ce qu'il veut. Voilà, Ouais, exactement. voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Vous savez pas la chance que vous avez, le cochon, c'est bon. Ça, c'est vrai. Ah oui, moi je pourrais pas me passer de lire, mais. Oh. Hein. Ah, moi non plus, attends, j'ai Oh, mal ouais, au c'est trop dos. compliqué, une bonne Oh nouille, là ouais. là. Ah ouais, une bonne entrecôte là. Ça rend pas bien ou quoi? Carrément. Attendez voir. Est-ce que ça me la Monsieur fournit? Jérémy, vous n'avez pas du Voilà. travail? De quoi? Monsieur Jérémy, n'a-t-il pas du travail là? Parce Non, que c'est moi qui se c'est... balade. Ah Ah, ouais, d'accord. si, j'ai. Ah, et pour une fois, je bosse. J'ai pris la place à Ah Zéro. bon. Et c'est tellement long à enrubanner, là. Faut... Ça met 3 Ouais, c'est heures. long, c'est long. C'est tellement rare quand tu fais ça que tu vois. Aussi. Je le reconnais. Je le reconnais. Mais de toute façon, on va pas... on a combien de minutes? On hein, peut-être pas On est 30. à 22h09. Ouais, on va aller jusqu'à 25 Alors, minutes. je suis là, les gars, quoi. Jusqu'à 25 minutes. Bon, c'est pas l'activité la plus folle, les gars, qu'on fait, mais bon, il faut le faire. Surtout que l'air va repousser par-dessus, donc c'est pas top, quoi. Ouais, donc là, je pense que mercredi, il y aura du boulot, là. Il y aura Ouais. du boulot. Mais on pourra. Ce qu'on pourra faire mercredi, c'est refaucher, refaire de l'enrubannage, quoi. Ah bah ouais, c'est ça, en fait. Vraiment, stock d'enrubannage, on en a que deux. Stock... Si, il faudrait regarder le prix du champ d'à On côté, a là, combien qui est d'enrubannage? On anglais. a plus que 2 balles On d'enrubannage, en a non? deux, mais bon, il y en a là, donc tu veux en regarder combien Au ici, la pire, si tu moitié? veux, tu peux en Moi, mettre de côté, hein. Mais au moins. je vais mettre de côté, Il je me pense. semblait Et qu'on. maintenant, Non, je on suis avait à tout côté. vendu. Ouais, mais non, on en avait gardé 4. Ah, ouais, d'accord, ok. Ouais, bah aussi, faut qu'on en mette de côté, parce qu'après, pour les rations. Il y Donc là, je a un pense qu'il faut en champ. mettre plus, là. Il y a un champ de blé, là, juste à côté, là, qui serait intéressant en dessous des vaches. Blé Bon, ou combien? orge, je sais Attends, je pas, vais aller voir mais. ça. Ouais, Je prends juste regarde un combien bandage il vite vaut. fait. Non, je prends Et juste un après, faut bandage qu'on vite garde de fait. l'argent. Bah, après, il y aura le lait, il y aura. Ouais, il y a pas mal. Il y a le colza, hein, Jérémy, là, que je suis en train Il y a le colza de aussi, moissonner. ouais. Ouais. Et ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas stocker, quoi. Enfin, oui, bon, après, il y a autant y Ah, il vendre au faudrait jour le mettre un. jour. Ah, mais il faudrait mettre un silo, hein, sinon on peut Oui, il y a mettre un un silo. silo, ouais. Mais en même temps, sans le mode saison, ça sert pas à grand chose. Tu peux Attends, vendre non mais leur j'ai foutre encore. tendu. Non mais genre j'ai encore les bruits des notifications des abonnements et tout encore en live là. J'ai toujours. Des fois ça tilte dans l'oreille, je sais pas, vous l'écouterez peut-être en vidéo les gens mais. Ouais, c'est possible, ouais. Bon, ça fait plaisir un peu, mais bon, des fois, c'est vrai Ouais, que. bon, heureusement. Je l'ai plus parce que j'ai fait deux collections de scènes, donc du coup, ça Ah oui. différencie bien. Ouais. Ah, mais Ah c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait. Bah pourtant si, moi c'est bien deux scènes par exemple. Ça c'est bien il sur y a les quatre scènes bottes fixes. d'enrubannage, les gars, dans la prairie des vaches. Je sais pas ce qu'elles font Bah là. oui. Ah mais oui, mais c'est celle-là qu'on avait gardée. Ah, bah, il y aura celle-là en plus à garder. Bah soit au pire tu peux mettre celle-là à l'abri, on ira chercher les autres, hein, t'inquiète. Hein. Ouais, mais je pense que là j'en ai déjà mis. Alors j'en ai mis, je pense, attends, j'en ai mis 4. On en met combien à l'abri? 10 à peu près en tout? Ouais, Pour se au mettre bien ou 8-10, pas? ouais, 8-10. D'accord. Alors faut savoir les amis que le colza, comme il est plus cher, il y a moins de rendement. Oui.
C'est pour ça qu'au final, les trucs sur farming, au final, tout se vaut, quoi, les cultures. Voilà, c'est à peu près à l'équilibre. Après, on peut pas dire que le soja, ça rapporte plus et tout, machin. Encore, le soja, c'est peut-être... Si, ça rapporte peut-être un peu plus, quand même. L'avoine, ça rapporte très très bien, je trouve. L'avoine, ça rapporte bien, mais il y a moins de rendement, aussi. Mais t'as moins de rendement, comme le donc, au final, c'est pareil, mais, au final, ça quand revient au même, En fait, t'as moins de quantité, en fait, si tu veux. Donc, mais après, ouais, je vois, ouais. Ah ouais, c'est pour mais c'est payé plus cher, mais quand tu... Par rapport à d'autres cultures qui sont payées moins cher, mais où t'as plus de quantité, tu vois. Enfin, je vais dire ça, tu vois. Le blé, 600 euros la tonne, t'as vachement plus de quantité quoi. Ouais, t'as plus de quantité, ouais, c'est vrai. T'as rattrapé en fait. T'as combien celle-là dans ta machine? Quantité, mon poteau. 72%. Je vais te vider ou pas? Je regarde. Ah, bah si tu veux, tiens, je t'ouvre là-haut, là-haut, là-haut. Attends, j'arrive. Allez, enrubane-toi. Elle va sonner et les gyros vont s'allumer à 80%. Ah, il faut y dire à Bastien qu'il mette le turn and... Tu sais le... Ah bah oui, le... Ça sert à quoi? Le turn... En fait, appuie sur un bouton. Nous, on est vachement habitués c'est à le... ça. Et... Ouais, il s'appelle le mode... Ah, j'ai perdu le nom du mode. Turn off, je sais pas quoi, là. Non, c'est pas ça, non, c'est les clignotants, ça. Turn off light. Ah oui. Quick camera. Ouais, wow, quick camera. Le quick camera, d'accord. Et en fait, juste avec un bouton, bah, t'appuies dessus, voilà. Ça te recentre la vue ou tu la mets en arrière d'un coup, tu sais. Bah, en arrière, ouais. Voilà. Alors regardez les amis, hop, quand on va arriver à 80%, elle devrait normalement, voilà. Et ben, on vide voilà. La, tu vides la trémie, puis on arrêtera peut-être là, celle-là. Et comme par ça. Contre, Jérémy, je sais pas si tu vois, sur le début de FS17, il y avait un robot Lely, je sais pas si tu te rappelles. Si, si, ouais. Ils n'ont jamais reconverti celui-là. Je me suis posé la question, pourquoi ils n'ont jamais reconverti? Il y en avait même plusieurs des robots Lely qui étaient sortis. Ah ouais, t'en avais un mode, début, où, y a un mode où tu pouvais monter dedans et tout et l'emmener où tu voulais. T'avais un mode, en fait tu plaçais des bornes et ça l'emmenait d'un point A à un point B, tu vois. Y a pas celui de la Hoffberman si, non? Attends, y en a pas un sur la Hoffberman quoi? Ah non, sur la Hoffberman je sais pas du tout. Y en avait un à l'époque sur le 17 qu'on pouvait mettre dans le champ. Mais la trieuse... Ah non mais c'est la pas trieuse, la trieuse ouais. Ah non c'est pas la trieuse, c'est un robot le repousse-bouffe en fait. Ah d'accord, ah non oui c'est la Hoffberman. Ah oui c'est vrai effectivement, qu'on pouvait le guider ouais. Mais ouais. Début, premier jour, elle fait du visite, ouais. Il était sorti le machin quoi. Oui, et tu pouvais mettre des points et tout, et c'est vrai que c'était automatique, c'était génial ça, ouais. Là, c'est que là maintenant, il y a rien. Faudrait demander à Quarantin s'il a deux minutes qu'il le reconvertisse, ouais, pourquoi pas. Ouais. Après, je pense que si personne l'est voilà. Fait, peut-être qu'il y a quelque chose. Il y a peut-être, ouais. C'est qu'il y a peut-être des soucis, ouais. Ouais. Parce que c'est un mode en général, c'est ce genre de mode qui plaît bien, donc. Oui, oui, oui. Oh, peut-être que personne n'y a pensé, hein, tout simplement, ouais. Peut-être aussi. Dieu. Eh bien les amis, on va pas tarder là. C'est pas trop mal, voilà. On a bien bossé. On va se retrouver, je vais les retrouver les gars. Hop, ils sont où? Dans le champ. Où est-ce qu'ils sont? Allez, il y a Zero qui revient avec le tracteur. Ouais, moi j'arrive. Ah mais il est ici. Voilà, et il y a Seth qui arrive. Voilà, j'arrive au bout et puis voilà, on finira en live. Oui, on finira en live, voilà. Non mais c'est bien comme ça, ça permet d'avancer aussi un petit peu en vidéo. Oui. Donc voilà, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Voilà, voilà. N'hésitez pas en tout cas à aller voir bien sûr les deux vidéos si c'est pas. Voilà, si. Ça nous fera plaisir tout simplement. À lâcher des pouces bleus à chaque vidéo. Et bah merci à vous les gars. Voilà. Ça va. Merci à toi, mon petit Jérémy. Merci à toi, ouais. Tu voles, mon poteau. Oui, je vole dans les airs. Il est beau, il est beau. Il est beau. Je volais dans les airs. Et bah allez les gars, on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. On fait des gros bisous, ouais. À bientôt, ciao.